Il semblerait que le prince Harry se sente bien seul aux États-Unis, loin de sa famille. Si est en tout cas ce que révélait l'expert royal fil d'ampier aux médias britanniques GB News vendredi 3 novembre 2023. Le duc de Sussex serait nostalgique du Royaume-Uni. Le prince Harry et son épouse Meghan Markle avaient d'abord envisagé de s'installer au Canada en mars 2020. Mais ils étaient vite partis en direction de Los Angeles, aux États-Unis, pour poser leurs valises, après avoir délaissé leurs fonctions officielles au sein de la famille royale britannique, rapportait The Sun jeudi 26 mars 2020. Depuis, les parents d'Archie et Lily Bay vivent leur vie comme bon leur semble, sans la pression des restrictions liées aux règles très rigoureuses de la famille liée au roi d'Angleterre. Si le duc de Sussex avait beaucoup critiqué les mœurs de sa famille, notamment de son frère William, dans son ouvrage intitulé Le Suppléant paru en janvier 2023, il semble toujours partant pour la rejoindre de temps en temps lors des grands événements, comme nostalgique de ses souvenirs de jeunesse. Et cette impression a été confirmée. En effet, l'expert royal fil d'ampier a fait des révélations étonnantes sur l'état d'esprit du prince Harry en Californie. Il semblerait que le fils de Diana se sentirait seul et isolé depuis qu'il vit de l'autre côté de l'Atlantique. Complètement dépendant près de 4 ans après avoir mis un terme à ses obligations royales en janvier 2020, il semble que l'American Dream ne plaise pas tant que ça au duc de Sussex. Vendredi 3 novembre 2023, dans un entretien accordé aux médias britanniques GB News, fil d'ampier a expliqué que le prince Harry serait à la recherche d'une propriété au Royaume-Uni pour se rapprocher de sa famille. Des sources dignes de foi m'ont dit que le prince était nostalgique de sa terre natale, a dévoilé l'expert royal, en expliquant que le fils cadet de Charles III ne supporterait plus de se sentir seul et isolé en Californie. En effet, il ne serait pas vraiment entouré, si ce n'est de quelques personnes avec lesquelles il travaille. Un manque d'amitié difficile à supporter pour l'époux de Meghan Markle. D'ailleurs, fil d'ampier n'a pas hésité à tirer sur l'actrice américaine lors de son entretien. Il a émis l'hypothèse que le fait d'isoler Harry de ses amis et de sa famille fasse partie du plan de Meghan. Je n'ai pas l'impression qu'il soit entouré d'un groupe d'amis avec lesquels il puisse sortir boire quelques bières pour se détendre et s'amuser, avoir des discussions entre hommes comme nous le faisons tous quand nous allons au pub, a regretté le journaliste, peiné pour le frère du prince William. Selon lui, Harry d'Angleterre serait devenu complètement dépendant de Meghan Markle en ce qui concerne sa vie sociale. L'héritier de 39 ans ne sortirait qu'en compagnie de ses enfants ou de son épouse, et ne disposerait pas d'amis proches avec qui il pourrait décompresser. Un retour imminent au Royaume-Uni pourrait-il être envisagé par les parents d'Archie et Lily Bay ?